Coucou, j'espère que vous allez bien. Ça fait 1 000 ans que je ne suis pas venue sur YouTube. En même temps, je ne suis pas vraiment une YouTubeuse. Mais là, je viens juste pour vous présenter les petits produits que vous pouvez retrouver sur le site de ma copine Ella. Donc, Ella Rayon de Soleil, que vous connaissez certainement tous et toutes. Ma beauté d'Ella, qui a ouvert il y a quelques mois maintenant son site internet de revente de make-up, de produits de soins, de produits skincare. Et ben voilà, j'ai passé commande déjà plusieurs fois. Et lors de ma dernière commande, Ella m'a rajouté plein de bonus. J'ai fait tous les unboxings sur mon compte Insta. Donc, je vais les mettre en story à la une. Vous pourrez les retrouver. Mais je voulais aussi vous les présenter un petit peu ici. Parce que Ella, ben, elle le mérite. Même si à mon petit niveau, c'est pas moi qui vais lui rapporter beaucoup, beaucoup de ventes. Mais c'est pas grave. Moi, quand j'aime, je partage. Donc, même s'il y a peu. Eh ben, c'est du fond du cœur. Et je regarde là parce qu'il y a mes produits. Je vous montre quand vous recevez un colis de chez Ella Beauty & More. Parce que oui, son site s'appelle Ella Beauty & More. Vous le recevez comme ça. Regardez, il y a des petits stickers. Donc, il y a toujours son fameux papier orange. C'est l'expérience client. Je la trouve géniale. Donc, il y a sa petite carte. Il y a la facture aussi à l'intérieur du colis. Et ben du coup, on va parler un petit peu de tous les produits que vous pouvez retrouver sur son site internet, même si j'ai pas tout, mais j'en ai quand même pas mal. Et dans ma dernière commande, j'ai commandé ça, mais regardez-moi comme c'est joli. C'est une chantilly de douche. Moi, j'ai pris la senteur pastèque, il y a tout un éventail de senteurs, mais je trouve ça presque, on n'a pas envie de prélever du produit tellement c'est joli. Donc on prélève un peu, on fait mousser, on se lave avec l'odeur. Je vous dis même pas, c'est une tuerie. Et avec ça, j'ai aussi l'éponge de bain, l'éponge moussante. Mais ce truc, c'est un truc de folie. J'avais déjà commandé celle à la pastèque. Cette fois-ci, j'ai pris celle à la noix de coco. Alors, je vais vous montrer comment ça se présente. Mais c'est trop ingénieux. En fait, c'est un espèce de pain de savon comme ça, qui de base est un peu mou, mais assez consistant. Vous le mouillez, ça vous fait une mousse, je vous dis pas, une mousse du tonnerre. L'odeur, même pas en parle, parce que là vraiment ça sent la glace, vous voyez vraiment la glace crémeuse à la noix de coco, là, la coco givrée, voilà. Et ça mousse et vous vous lavez avec ça, c'est un bonheur, c'est vraiment un bonheur. En tout cas, moi, celle à la pastèque, je l'ai dégommée et celle-là, je compte bien faire la même chose. Ensuite, on peut retrouver aussi ce genre de brume. Alors, c'est trop ingénieux. C'est un tonique un petit peu en forme de brume. Et ça, c'est en dernière routine de démaquillage. Donc, il nettoie, il purifie, il unifie le teint, il élimine les impuretés. Et en plus, moi, ce que je trouve trop bien, c'est qu'il a une action anti-tache. Et moi, ben, il n'y a pas de filtre hein, sur mes vidéos. Voilà, je suis sujette aux taches de soleil. J'ai beau mettre de l'indice 50 toute l'année, ben, il m'en sert quand même. C'est comme ça, on n'a pas le choix. Ouais, là, je suis pas trop maquillée. Il est tard et puis on s'en fout de ma tronche. Ce qui compte, c'est de parler du site de ma copine Ella. Donc, sur son site, il y a aussi des gels douche un petit peu plus classiques comme celui-là. Celui-là, il est au pamplemousse. Et franchement, je le disais sur mon compte Insta, je n'aime pas le pamplemousse de base. Mais je peux vous dire que l'odeur de ce gel douche, je ne vais pas m'en priver, hein. Donc ça, c'est un 270 ml. Il y a vraiment de quoi faire. On retrouve aussi des soins capillaires. Je trouve ça génial. Et ça, c'est un sérum capillaire anti-chute au caviar. Celui-là, je l'essaye dès demain. Je me languis trop. Il est sans parabènes, sans sulfate, sans rien du tout. Il a l'air terrible. Le flacon pompe, moi, je trouve ça trop pratique. Parce que même pour emmener en vacances, en fait. Hein, génial. On trouve aussi sur le site d'Ella des brumes corporelles. Qui n'aime pas les brumes? Alors, on va pas se mentir, ça va nous faire penser à une célèbre marque. C'est un peu les dupes des Victoria's Secret, sauf qu'elles sont 100 fois moins chères. Hein. Je suis marseillaise, hein, pour ceux qui... Donc, j'ai tendance des fois à exagérer dans mes propos. Je vous dis 100 fois moins cher. Évidemment, c'est pas 100 fois moins cher. Par contre, j'exagère jamais. Quand je dis que j'aime, c'est que j'aime. Quand je dis que j'aime pas, c'est que j'aime pas. Enfin, ça... Et oui, je sais, vous ne pouvez pas sentir. Tant pis pour vous. Il suffit de passer commande. Hein. Ça coûte pas cher. C'est trop bien. Parce que
Ok, brume corporelle, mais moi j'en fous sur les rideaux, sur mes draps, sur le linge de maison, c'est trop trop bien. Moi c'est des odeurs là, celle-là c'est la sugar plum, donc c'est très sucré et ça me donne envie de prolonger l'été, hein. Même si à Marseille c'est encore l'été, hein. Là il fait 28 degrés et il est quelque chose comme 19h, 19h30, donc vous voyez. Alors ensuite sur le site d'Ella, on trouve aussi du make-up et des accessoires parce que. Regardez-moi comme c'est choupinou, les petits blenders. Enfin, il y a le petit et le normal en fait. Et moi, je trouve que c'est des super cadeaux. Je disais sur mon compte Insta, mais je vais le répéter. Si vous faites des calendriers de l'Avent, parce qu'on va pas se mentir, les calendriers de l'Avent maintenant dans le commerce, ça coûte un bras. Moi, je trouve que le mieux, c'est de faire le sien soi-même avec une copine en forme de swap. Et bien, sur le site d'Ella, vous allez trouver plein de pépites pour vos calendriers ou pour vos petits cadeaux. Moi, je fais des cadeaux chaussettes à Noël, ce que j'appelle, vous savez, j'ai toujours le truc de foutre les chaussons sous le sapin et je mets des petits cadeaux dedans. Donc ça, je trouve que c'est parfait, comme par exemple les fondants. Les fondants, tout le monde a un brûleur chez lui ou alors vous en trouvez partout. Et les fondants, c'est celui-là, ils sont trop bons. C'est au pamplemousse aussi. Je trouve que ça sent un petit peu aussi la mandarine. C'est beau, c'est bon. Et ça, enfin, les cadeaux d'invités, quand vous recevez, ou enfin, c'est trop beau sur une table en plus. Moi, j'adore ça. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu plus de make-up. Donc sur le site d'Ella, on trouve des rouges à lèvres, on trouve des glosses. Celui-là, il est trop beau. Le XOXO. Et en plus, il n'est pas que beau, hein, je l'ai déjà essayé. Il est assez discret, vous voyez, c'est un petit rosé. Pas sûr que vous voyez. Moi, je filme sans éclairage. La lumière naturelle à cette heure-ci, ben forcément, le soleil il commence un petit peu à décliner. Des rouges à lèvres comme ça, crémeux. Déjà, le packaging est magnifique, hein. Ça s'ouvre comme ça. Hop. J'aime trop ces trucs-là. C'est aimanté, enfin, on adore, hein. La couleur, c'est magnifique. J'en avais mis sur mes lèvres. J'en remets un peu pour que vous voyez mieux. Mais tant qu'à faire, on va se faire un swatch. Rien à dire. Rien à dire. C'est trop beau. Ça coûte pas cher. C'est magnifique. Les packagings. Est-ce que vous allez voir le petit cœur là? Mais c'est magnifique. Il n'y a rien à dire. Tout est trop beau. Ensuite. Ah ouais, ça. Si t'es de la team années 80, ça t'as connu comme moi. Donc on en parle des petites pochettes, des trucs holographiques comme ça. Enfin, je sais pas, mais c'est trop. J'ai commandé ce gel pailleté. Non mais le truc Formabi là, on aimait trop se tartiner de ça quand on était jeune. Et non mais. Dommage que l'été se finisse, la saison des festivals, tout ça, parce que. Ouh. Ensuite, ça, c'est mes trucs préf. Et là, revend la marque Moira. Hop là. Il y a des fards mono, il y a des liners, il y a des blushs liquides. Il a l'air magnifique. Contour liquide. Bien sûr, on va se faire des swatchs. Alors, celui-là, je vous avoue que maintenant que j'ai des ongles qui ont poussé, j'ai du mal à l'ouvrir. Donc, je ferai un post Instagram. Le blush liquide, il n'est pas trop beau. L'embout est parfait. Est-ce que. Voilà. La couleur. Laisse tomber. Laisse tomber comme c'est beau. Mais moi, je suis trop fan. Regardez, ça se blinde en 2-2. C'est trop, trop, trop joli. J'essaye de faire vite parce que j'ai peur qu'il n'y ait plus assez de lumière pour que vous rendiez compte. Les liners de chez Moira, j'espère qu'elle va en recevoir des nouveaux parce que c'était un peu en rupture moi quand j'ai commandé. Donc j'ai pu commander celui-là. Alors moi, c'est la teinte 05 Flair. Et attendez que je vous montre bien. Regardez-moi ce truc. Le problème, c'est que filmer comme ça avec le téléphone, ben, j'arrive pas à vous montrer les reflets. Ah, peut-être un peu comme ça. Je vous garantis que ça, c'est de la tuerie en crayon, en bâton. Enfin, vous m'avez compris. Ça, c'est obligé. Demain, tout ça, ça va sur ma tronche, hein, parce que je ne vais pas pouvoir attendre. Et si je m'écoutais, j'irais me démaquiller le peu qui me reste de ma journée. Je me remaquillerais juste pour essayer les produits.
Et là, donc, j'ai le bronzer liquide. Moi, j'ai pris la teinte 100. C'est Fair Light. Hop. Je ne l'ai pas encore ouvert, celui-là. On découvre ensemble. Ça a l'air d'être une couleur assez froide. Ça va bien me plaire, ça aussi. Voilà l'embout. Et un petit swatch comme ça. Hop. Ouais, je vais bien aimer ce côté froid. Il n'y a pas du tout d'oranger. Bon, là, j'ai abusé sur... Il ne faut pas en mettre des tonnes. Hein. J'ai vraiment abusé sur la dose. Hop. Oh, j'ai l'impression que vous n'allez pas voir la réalité des choses. Mais je vous garantis que c'est magnifique. On voit que j'ai pas l'habitude de faire des swatchs. Hein. Je suis désolée, là. Ensuite, on a ce petit blush. Alors, j'ai ouvert tous les packagings. Le packaging est là. Le blush, c'est magnifique. Donc, c'est un velvet tint. Ça fait pas que blush. Ça peut aller sur les yeux, sur les lèvres. C'est un... Je pense que la teinte, c'est Clay-C. Natural Matte Finish. C'est un blush infusé à l'aloe vera. Je ne suis pas super bonne en anglais. Hein. J'essaye de traduire. Jusque-là, ça va encore. Et je l'ai déjà swatché. Je le trouve magnifique. Donc, c'est aussi un blush crème. Et voilà. Je pense que vous voyez bien la teinte. C'est magnifique. Il se blinde en 2-2. Ça, pour un make-up vite fait, bien fait le matin, c'est parfait. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Plein d'accessoires. Parce qu'elle fait des petits sacs avec plein de trucs dedans. Non, mais le sac avec les marguerites, on en parle ou pas? Moi, rien que ça, je deviens dingue. Hein. Franchement, je le redis, mais pour vos calendriers de l'Avent ou pour vos cadeaux de fin d'année, foncez, foncez. Et j'ai aussi, dans ma dernière commande, reçu une palette qui est magnifique. C'est la Daisy Days de chez Bibella. Moi, je ne connaissais pas encore cette marque. Je trouve la Color Story parfaite, parfaite pour le début d'automne. Vous me direz ce que vous en pensez, mais franchement, et les fards sont magnifiques. Celui-là, là, oh, il est trop, trop beau. Regardez-moi ce fard. Non, mais c'est possible. Une beauté sans nom. Est-ce qu'on ne se swatcherait pas un petit mat quand même pour la route? Bien sûr que oui. Hop, je vais essayer de faire en sorte que vous le voyez. Je ne suis pas douée en swatch. Et là, ne m'en veux pas, je vais m'entraîner. Mais vraiment, cette Color Story, oh, moi j'adore. Hein. Et ça me rappelle franchement des grandes marques qui coûtent une blinde, alors que là, c'est vraiment des prix accessibles. Alors, et là, elle est très, très, très généreuse. Elle vous met des stickers, elle vous met des bons becs. Non, mais là, je suis au régime. Je les ai mangés quand même. Elle vous met des bonbons dans son... Il y a toujours des petits cadeaux. Si vous commandez régulièrement, vous aurez encore plus de cadeaux. Moi, c'est mon cas. Donc là, elle m'a gâtée. Je suis trop contente. Et elle gâte tout le monde parce qu'elle m'a filé un code promo de 15%. C'est le code LILY15. Donc LI2LY15. Il est valable jusqu'à demain. Demain, on sera mercredi 6 septembre. Donc demain, 16h. Franchement, 15% de réduction sur les petits prix déjà qu'il y a sur son site, ça vaut grave le coup. Donc foncez. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous commencez à préparer Noël dès septembre, mais moi j'essaye d'étaler les dépenses hein, parce qu'on est tous pareils, ça tombe pas des arbres. Et là franchement, 15% sur le site d'Ella, moi je trouve ça trop bien. Je pense que je vais moi-même recraquer d'ailleurs parce que... Mais le problème avec Ella, c'est qu'il y a tout le temps des nouveautés. Là je sais qu'elle va rentrer des bijoux, donc je vais aller voir ça aussi. Mais... Voilà, tout est génial. Et les liners là, oh, ah ouais, franchement, je suis dégoûtée que vous ne voyez pas vraiment la vraie beauté du truc parce que vous ne voyez pas les reflets, mais il y a des reflets de fou sur ce liner. Ah ouais, non, ça ne marche pas trop bien, c'est bien dommage. Demain, toi, tu viens là sur mes yeux. Enfin, vraiment, voilà. Et là, c'est pas parce que c'est ma copine, je le redis, mais j'adore tout ce qu'elle fait. Elle nous manque sur YouTube. Je sais que vous, elle vous manque aussi, mais malheureusement, elle ne peut pas non plus être de partout. Elle est comme tout le monde, elle a une vie, hein, mais franchement, moi, et là, je la porte au plus profond de mon cœur. Je l'aime d'amour et je dis pas souvent ça aux gens. Je vous assure que, avant que je te dise que je t'aime, il en faut. Mais et là, je l'aime.
J'allais dire Emma, mais Emma aussi, je l'aime. Mais Ella, je l'aime de tout mon cœur. Franchement, c'est une fille. Elle a le cœur sur la main. C'est la générosité incarnée. C'est pas juste parce qu'elle est généreuse que je l'aime, attention, hein. Mais Ella, elle est nature peinture, en fait. Comme vous la voyez dans ses vidéos, elle est dans la vie, vous voyez, c'est. Je crois qu'on se ressemble un petit peu, en fait. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Et c'est pas quelqu'un. C'est quelqu'un qui va rester naturel. Voilà. J'ai du mal à faire des compliments, je crois aussi, mais. Et là, c'est. C'est une fille en or, il n'y a rien à dire. C'est une nana. Tu peux que l'aimer. Voilà. Tu peux que l'aimer. Donc, j'espère de tout mon cœur que vous allez aller la soutenir. Je le disais aussi sur mon Insta, mais même si vous commandez pas, allez faire un tour sur son site. Faites-lui des retours. Partagez. Montrez-le à vos copines, à votre famille. Parce que Ella, en fait, elle mérite trop, trop, trop des millions et des millions de commandes. J'espère que vous allez inonder son site. Même si vous ne servez pas du code promo, je vous dis que vous ne passez pas forcément commande. Allez voir tout ce qu'elle propose. Elle mérite que son travail soit plus reconnu. Elle mérite d'être soutenue à fond. J'arrive même plus à parler tellement, voilà. Enfin, moi et là, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Je vais arrêter parce que ça suffit. C'est pas dans mon caractère de parler comme ça. Mais voilà. Et là, je t'aime. Il n'y a rien d'autre à dire de plus. Et si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez tout ce qu'elle propose, le faites pas pour moi, faites-le pour elle. Allez vraiment, vraiment lui mettre des commentaires ou lui faire des retours sur son compte Insta. Franchement, ça me ferait trop plaisir de savoir qu'elle a eu des retours, de savoir que vous êtes allé soit passer commande, soit que vous êtes allé voir son joli site. Et elle fait tout toute seule, hein. Elle s'occupe des photos, elle s'occupe de. Je pourrais même pas vous dire parce que moi je comprends rien comment ça marche, hein. Là, je filme une vidéo, je fais pas de montage, hein. Ça sera nature peinture, je vous le dis. Je suis pas douée, mais là. Il n'y a rien à dire. Hein. Voilà. En tout cas, et là, si tu passes par là, je te fais plein, plein, plein de bisous. Je vous embrasse tous très fort. Vous me direz si ça vous fait plaisir de me revoir sur YouTube ou pas. Parce que peut-être que ou pas. Mais sinon, peut-être à très bientôt. On se retrouvera de toute façon, quoi qu'il arrive, avant la fin de l'année. Parce que, ben, vous le savez, moi, je suis Miss Swap. Donc, je ne vais pas tout spoiler. Mais il y a des trucs qui se préparent. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.